Je vais vous présenter la collection Medium. Cette année, il y a eu deux BD, Philocomics et Aquarica. Aquarica est un vrai hommage à l'océan par Benoît Socal et François Schutten. Ce qui m'a beaucoup plu dans Aquarica, c'est la place que prend l'océan qui est très importante. Philocomics, quant à lui, est tout l'inverse. C'est un livre alliant le drôle et la philosophie. Deux choses qui, au premier abord, ne vont pas ensemble, mais qui vont très bien dans ce livre. Suivent deux romans qui traitent tous les deux du passé, tels que Ramulf, dont le frère est philosophe. C'est un garçon un peu dans la lune. Puis, suite à une petite péripétie, il va partir en aventure. C'est une aventure de 600 pages, je crois, et on ne s'ennuie pas du tout. Dans la même tranche d'âge, Miss Charity, qui est elle en 1880, fin du 19e siècle, je crois, c'est une fille qui va essayer un peu de combattre les clichés des demoiselles de l'époque, qui va aimer les animaux, dessiner, écrire, et qui va nous montrer comment elle, une fille de l'époque, arrive à se démarquer. On va parler d'un deuxième sujet dans cette collection Max, totalement différent. Des sujets qui nous montrent le monde d'aujourd'hui. Une poignée d'étoiles, la Syrie, Damas. C'est un fils de boulanger qui va écrire un journal intime. Une poignée d'étoiles résume bien ce livre. Surtout une poignée de mots. Ce journal intime... C'est dur de parler d'un livre où il y a autant de choses en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées, il y a plusieurs parties. Il y a Oncle Salim, il y a Nadia, il y a le journal... Il y a le journal... En fait, c'est dur de résumer comme ça. Le deuxième livre qui parle d'horreur dans le monde, c'est dans la forêt d'Hokkaido. Premier personnage, c'est une fille, un peu comme vous et moi, qui vit dans un appartement, tout va bien. Et puis, dans ses rêves, elle va être dans la tête d'un jeune japonais, abandonné par ses parents dans la forêt de Kaido. Ce livre qui se passe dans une pièce, dans un appartement, va en fait faire rendre compte à cette jeune fille toutes les horreurs qui se passent dans ce monde. Les deux livres d'avant montraient les horreurs dans le monde. Là, c'est plutôt en fait deux vies d'adolescents qui sont pas drôles. drôles. Comme dans Ma dernière chance s'appelle Billy. Un adolescent tempétueux s'énervant pour rien. Va rencontrer un enfant trisomique. Ils vont un jour trouver un atlas qui va les sortir de leur vie et de leur malheur quotidien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait frapper par son père, dont la mère est absente, dont l'un des frères le malmène et dont l'autre a été affaibli par les malheurs de la guerre. Grâce à un déménagement, il va rencontrer des personnes qui vont lui permettre de changer sa vie. En résumé, ces livres nous apportent tous quelque chose et nous permettent de réfléchir autrement.